L'affluence ne s'estompe pas au palais de la Marina. Au nombre des visiteurs de l'exposition des œuvres royales de ce 6 mai, les présidents des chambres du commerce et d'industrie de l'espace UEMOA. Pouvoir visiter ces arts sans aller forcément à Paris, je pense que c'est un espoir. On doit remercier les autorités de notre pays, en l'occurrence le président de la République, son Excellence Patrice Guillaume Athanase Talon, pour cette démarche qui a abouti à une fin heureuse et qui permet maintenant aux Africains de pouvoir voir ce que nous voyons ici. C'est surtout un sentiment de fierté, un sentiment de joie, un sentiment de reconnaissance et de ressourcement donc dans les traditions, dans la culture africaine, dans tout ce qui nous est cher, donc je voulais dire. Donc vous voyez, c'est l'émotion en fait donc, d'être là et de sentir toute cette onde positive à travers, qui se dégage à travers ces œuvres, les œuvres de nos ancêtres, mais aussi donc de contemporains. L'exposition des œuvres royales à la présidence se poursuit jusqu'au 22 mai prochain.